That's <laughs> good. Bonjour mes élèves, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir qu'est-ce que le réalisme. Commençons par une frise chronologique qui représente les courants littéraires qu'a connus l'histoire. L'humanisme, le jansénisme, le classicisme, le rationalisme philosophique, le préromantisme, le romantisme, le naturalisme, le réalisme, l'existentialisme, l'expressionnisme, le surréalisme et l'absurde. Avant de passer au réalisme, nous allons tout d'abord aborder le romantisme. C'est un mouvement culturel apparu à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne et en Angleterre et se diffusant à toute l'Europe au cours du XIXe siècle, jusqu'aux années 1850. Il s'exprime dans la littérature, la peinture, la sculpture, la musique, la politique et la danse. Et se caractérise par une volonté de l'artiste d'explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer ses états d'âme. Comparons ces deux tableaux. Il est clair qu'il s'agit du même thème, l'homme et la nature. Dans le premier tableau, il s'agit d'un voyageur contemplant une mer de nuages, ce qui est très loin de la réalité. Tandis que dans le deuxième tableau, Julien Dupré peint la réalité telle qu'elle est, il ne cherche pas à l'enjoliver, à la rendre jolie. Alors le réalisme qui nous intéresse est né en réaction contre ce courant, le romantisme. Les auteurs romantiques appartenaient pour la plupart à la noblesse ou du moins aux classes aisées, et exprimaient leur rejet du monde, leurs sentiments personnels. À l'inverse, les auteurs réalistes appartiennent à différentes classes sociales et ne parlent pas d'eux mêmes, mais du monde qui les entoure. Autrement dit, avant L'art représentait surtout la beauté. Les artistes réalistes, eux, font le choix de décrire la vérité, celle de tous les milieux sociaux. Le réalisme ne cherche pas à enjoliver la réalité, il la reproduit telle qu'elle est. Et pour définir le réalisme, nous dirons le réalisme est un mouvement littéraire est picturale qui se développe dans la seconde moitié du 19e siècle et veut décrire la vie quotidienne et sociale, en particulier dans les milieux défavorisés. En littérature, le réalisme est un courant qui cherche à décrire le monde et les hommes tels qu'ils sont, de manière objective et sans illusion et non telle que l'imagination peut les idéaliser, les styliser ou les épurer. Se démarquant du romantisme et de l'impressionnisme, il est apparu au XIXe siècle vers 1830. Et de nos jours, le réalisme philosophique considère que le monde extérieur dispose d'une existence propre qui est indépendante du sujet qui le perçoit. Et il s'oppose à l'idéalisme. En voici quelques auteurs qui ont marqué le courant réaliste. Balzac, Stendhal et Gustave Flaubert et finalement Guy de Maupassant, l'écrivain qui nous intéresse le plus, qui a écrit La Nouvelle au Champ. Et je vous laisse un tableau qui rassemble tout ce que vous devez retenir concernant le réalisme. Et comme je le fais toujours, je vous recommande de revisionner cette capsule plusieurs fois afin d'améliorer votre compréhension. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée prenez bien soin de vous et à la prochaine capsule.